Bonjour, c'est Gray Fox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum. On est en Xel Orotrepea, Ujina, Sacrieur R, j'ai pas l'habitude encore. Eni Rivesafeu, on joue contre Eka Panda Eni et on a des codes de 4300, 4217 et 4342. Alors, Eka Panda, en vrai, ça peut être assez violent, surtout sur cette map. L'Eka qui peut stabiliser Karcham, l'Eka qui érode son ligne de vue. Ça peut être assez relou. On va voir comment on s'en sort. C'est quoi qui joue? C'est Lenny ensuite, en vrai. Je sais ce que je vais faire. Je vais faire une des synchros ici. Je vais mettre une cavotte. Ou même pas, une synchro. Let's go. Alors, qu'est-ce qu'on a en face? Rattraperie. 3 rattraperies, what the fuck? C'est quoi cette DPM ça? Full rattraperie en face. Full. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez le chat comment il se fait spam par les pre-tech. Là, ça doit être buggé, je pense. C'est full rattraperie dans tous les sens. Attends, mais il va avoir combien de PM le truc là? 11 PM direct ou 9 PM les cas? Bon, intéressant. Du coup, j'ai vraiment bien fait de casser la distance, je pense, sinon je l'aurais absolument jamais touché. À moins qu'il ait pour projet de me rush, mais ça m'étonnerait un peu. Je vais go Fulgurance. Merde, j'ai oublié déjà ma j'ai oublié mes sorts déjà, ça commence bien. Tranquille, hop. Tac. Déjà un misplay, ça régale. En vrai, je vais pilori le Xel, je pense. Des fois que le panda va faire une dinguerie ou qu'il veuille me pousser. Bon, j'ai déjà misplay à oublier de me booster avant de taper ma fulgurance. Hein. Ça commence, ça commence. Ah, les rageux dans le chat YouTube, c'est parti. Hein. Ça va y aller, je connais. Ok, ça m'érode. Double héros. Et il se barre. Putain, il a avec les PM là, c'est un délire en vrai. Bon, écoutez, super. Ça régale. Allez, maîtrise d'invoque. En vrai, je vais laisser l'érosion sur mon sacri, ça m'ira. On va venir mettre DPM au sacri. Tac. Je vais lui mettre un mot de régène quand même. Alors, c'est un peu compliqué parce que il est vrai que peut-être je soigne trop mon sacré et du coup je profite pas assez du passif. Ça, c'est une réflexion qu'on m'a faite sur le dernier colis que j'ai mis et je suis assez d'accord avec ça. Qu'on verra comment on s'en sort. Il n'y a pas beaucoup d'esquive payard en face, hein. Je vais pouvoir peut-être faire des dingueries. On va voir. Panda qui se maîtrise. Question, c'est est-ce qu'il va porter les K-flip. Pendant le cul, picole, stabi. Ah ouais, ça, il va essayer de me one-shot, je pense. C'est vraiment. Mais par contre, c'est abusé les PM. Ça dure combien de tours son machin? 2 tours encore? Bah c'est. D'accord. Bon. Apparemment, c'est ce qu'on mérite. Alors, on va mettre nous directement. Tac. En vrai. Je vais mettre un cadran comme ça. On va paradoxe rollback. Et je vais booster mes pétrifs. Je vais en mettre une première sur Lenny. Tac. Faut que je fasse gaffe à mon sacrieur quand même, mais. En vrai, je pense que je vais venir le saouler un peu comme ça. Voilà, faut que je casse la distance à tout prix. Le panda est bien tanky, Lenny un peu moins. J'ai pas d'héros, hein, je répète. Je pense que je vais y aller peut-être plutôt sur Lenny en vrai. Là, c'est Lenny qui joue. Bon, ça crie. Bon, du coup, j'ai bien fait de lui mettre un mode régène, ça va le faire tanker un peu, mais je pense que ça va jouer en mode vraiment, ça veut tabasser en face. Approche, déroutant. Ok, en fait, il veut juste se barrer au bout du monde en permanence. Je crois que c'est ça son plan. Ça a le mérite d'être original. Est-ce que j'y vais sur Lenny ou sur le panda? En vrai, je vais y aller sur Lenny, je pense. Hein. On va faire une fulgurance. On va voir ce qu'on peut mettre comme dégâts. Je vais spam les furies. Faire ça, tac,
Toc, je vais rester prendre l'émeraude tranquillement. Alors est-ce que je vais tanker assez pour autant? C'est pas dit, hein. Moi bon, je l'ai bien défoncé son Annie, c'est vrai que effectivement quand on commence à stack le passif broken du sacrifice, on se met à mettre des grosses claques. Là j'étais sur 35%, c'est vrai que je l'ai quand même bien massacré. Malgré tout, je sais pas si ça va suffire. Il est en mode dommage mêlé les Kaflip ou quoi? Destin. Alors bon, mon placement il est un peu ambitieux du coup, hein. Je suis un peu au bout du monde, mais. Ouais, c'était vraiment. Ah oui d'accord, c'est du c'est du Dopu en fait, c'est pour ça. Tout est si clair maintenant. Ouais, je vais venir là. Je vais faire un ralliement. Est-ce que je le tue son ennemi? Bien sûr que je le tue. Tac. Je le tue pas à la flamiche par hasard. Non. Enfin, bon, j'ai tenté le kill. J'aurais pu du coup prendre un PA de moins. Là, la seule question c'est est-ce que je perds le sacri? On va voir si le passif est si broken que ça. Ça va être un peu le moment de vérité. Alors là, c'est relou que ça bloque un peu. Mais le problème, c'est que si je la monte, c'est bloqué par la cam. En vrai, il faudrait que je le mette par là pour que ça vous gêne pas trop, mais que vous gardiez quand même une bonne visibilité sur le combat. C'est un peu chiant. Je trouve qu'il devrait mettre plus d'emplacements préétablis. Donc là, je suis en mode classe broken. Je prends zéro dégâts. Je crois que c'est ça le concept. Alors du coup, ok, il met des petits dégâts. Il se barre encore et encore. Mais non, je peux pas, je suis con. Je peux le ramener. Non, je peux rien faire en fait. Limite, ce que je vais faire, je pense que je vais juste full tabasser. Tac. Tac. Je peux même lui mettre un coup de cac éventuellement. De toute façon, mon sacri il est broken, il crève pas parce que la classe n'est pas censée mourir en fait, hein. C'est pas prévu. Alors, bah on va juste tabasser. C'est parti. On va Fury. Fury, est-ce que la punition c'est intéressant? Oh là, oui. Oui. Effectivement. On va passer le kill comme ça. Ah non, Sacri c'est vraiment no-brain, hein. Il y a un souci avec la classe. Hein. Alors non, je suis con parce qu'il est Dopu, donc on va se mettre là en fait. Je prends l'émeraude du coup, j'ai pris les boucliers de la mutilation. Ah non, Sacri c'est vraiment trop fort les amis, c'est vraiment, y a aucun, la classe n'a aucun sens. Hein, je le dis, hein, vraiment, en toute bonne foi, c'est trop fort, il faut nerf. Bon, je crois que c'est pas un scoop, hein, je pense que vous le saviez, mais c'est quand même particulièrement broken je trouve. Hein. Bon, en tout cas, ouais, bah écoutez, bon, ça avait l'air d'avoir envie de me mettre du combo 42 PM tour 2 et essayer de me one-shot en face. Pas de chance, j'avais un sacré hier, c'est unlucky, mais en vrai, je pense que c'est. Ils doivent passer des dingueries quand même avec leur classe là. Bon, moi, j'avais un mode avec du retrait PA sur les Kaflip du coup, mais en vrai, je vais le délock comme ça, je pense. Tac, comme ça, je perds pas de PA. Hop. Est-ce qu'on va avoir la satisfaction de lui mettre un petit coup de Candy Gérarque? Yes. Bon bah GG, bon jeu, hop. On s'en est sorti contre cette volonté de me mettre du gros Dopu avec full Pritech, enfin c'est pas Pritech du coup, c'est Prismaradit Rattrapi, c'est ça, qui m'a un peu spam le chat en early. Ouais c'était intéressant, on a vu un gameplay un peu original. Bon petit colis sympa, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Ah oui, attendez, il faut que je monte les cotes à la fin. Du coup, 4328, 4239, 4358, voilà. Si ça vous a plu, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.